Ce soir c'est Retrobuy. Ce soir c'est Retrobuy. Sur quoi ce soir c'est Retrobuy spécial Final Fantasy, messieurs dames, puisque nous allons pré-terminer la séance PlayStation 1 avec du beau jeu. Du beau jeu qu'il est beau. On va faire un petit peu de chat, hein, mais on va pas s'attarder de ouf non plus, parce que bon, c'est des jeux longs, hein, comme j'avais dit, et puis voilà. Puis celui-là il est tout en anglais, donc ça casse les couilles aussi. Donc voilà ce qui va se passer, comme disait un certain visiteur. Neuf. Oui, je sais, Tanguy, je sais. Mais après, la semaine prochaine, on fait les CD de démo. Et la semaine d'après, on fait la Nintendo 64. Sauf si les CD de démo, faut faire ça en deux fois. Mais dans tous les cas, Nintendo 64, c'est pour bientôt. C'est soit dans une, soit dans deux semaines. Enfin, soit dans deux, soit dans trois semaines plutôt. J'y crois autant qu'au Père Noël. Je te jure que ça arrive. Je te le promets. Je te le promets de ouf. Et donc du coup, Final Fantasy 9 est sorti au printemps 2001 chez nous. Et moi j'ai dû la... Je sais pas à quel moment j'ai dû la voir dans l'année, mais je l'ai pas eu quand il est sorti, ça c'est sûr. Mais bon, je l'ai eu dans l'année 2001, et celui-là il est sorti dans l'année 2002. Donc du coup, on va faire 2001 et 2002 d'un seul coup, puisque c'est les années où, déjà, j'avais la 64 aussi, parce que la 64, j'ai eu à partir de 2000-2001, par là, et puis 2002, je crois que c'est là que j'ai eu la PlayStation 2 aussi, donc du coup, voilà, on arrive dans une phase de transition où déjà... les jeux vidéo, déjà ça passe un petit peu au second plan plus ou moins, pas vraiment en fait, mais disons que ma vie au lycée, c'est beaucoup les potes, la chouille et la musique, énormément la musique d'ailleurs, on va le voir avec les photos de 2002, hein. Vous allez voir des photos de moi en rockstar bien sûr, et... attention c'est croustillant. Et du coup voilà, donc j'ai énormément d'activités et je me consacre énormément à la musique parce que ça va devenir le truc qui va me prendre tout mon temps, qui va m'omnubiler, comme on dit. Et du coup, les jeux vidéo, va y en avoir quand même toujours, mais ce sera plus étalé dans le temps et ça va être plus des jeux avec les copains, des trucs comme ça. Donc il y aura beaucoup, effectivement, ce sera des années où il y aura beaucoup de GoldenEye, de Lilith Wars, de Smash, de Perfect Dark et autres jeux de baston sur PlayStation 1 et 2, enfin surtout 2 d'ailleurs. Mais voilà, c'est une période de transition où je change de pote à ces moments-là, je change de groupe de potes parce que ça se passe pas bien avec l'ancien, il y a des soucis et tout, enfin bref. Et donc je me tourne vers d'autres gens qui ont comme point commun de s'intéresser fortement à la musique. Comme moi, j'étais un peu seul dans mon autre groupe parce que dans notre groupe de potes, c'était pas, enfin avant collège-lycée, jusque l'année 2001 à peu près, c'était des gens qui s'intéressaient surtout aux scooters et à la techno. Et c'était absolument pas... Enfin, scooter, moto, voiture, techno, quoi. Donc c'était absolument pas mes centres d'intérêt. Et on commençait plus à... Enfin, on se retrouvait surtout autour des jeux vidéo, mais on commençait vraiment à aller plus ou moins vers nos passions autres que les jeux vidéo. Donc du coup, moi, c'était plus la musique et c'était plus le punk rock. Donc du coup, la techno... Et voilà, c'est pas trop le délire, quoi. Même si, bon, ça m'a permis de connaître des grands classiques comme Zambla, bien évidemment, ou les Thunderdome, mais voilà. Et après j'entendrai à l'électro plus tard avec Daft Punk, Prodigy, tout ça, mais pour l'heure c'est pas la méta. Et du coup je me rapproche plus d'un autre groupe qui donc a plus le comme point commun, je disais, la musique, et donc ça va être essentiellement tourné autour de la défonce et la musique, ma vie à partir de là, et un peu les jeux vidéo aussi qui passent un peu au second plan, mais pas trop, on va dire qui passent au plan 1,5, quoi. Voilà. À peu près. Y compris du Smash enregistré sur VHS avec les copains qui sont nuls. Ah oui, j'ai les VHS. Il me semble qu'on les avait regardés, les VHS, non?
un coup, je sais plus. On se fera peut-être une petite séance matage de VHS, parce que j'enregistrais les parties de Smash et je crois que j'ai enregistré une partie de GoldenEye aussi, je suis pas sûr. Mais j'enregistrais les parties de Smash et j'enregistrais les parties de Nebula Kai 3 aussi. Et il y avait des trucs rigolos. Et on les prenait en photo aussi. On faisait du burnout aussi. On faisait beaucoup de burnout aussi à l'époque, burnout 3. Enfin, pas en 2002, mais après quoi. Je cite la vidéo. Jean et Mo. Jean et Mo. Bah, plus trop, parce que si tu veux, la transition. Donc en 2001, je passe en première. Et aussi. Alors, je passe en première, mais surtout. Je suis sur le point d'être majeur, mais en attendant d'être majeur, et ben j'ai le droit de faire ce qu'on appelle un piercing. Voilà. Alors ceci est la photo de classe. Vous voyez le petit piercing à l'arcade, là ça se faisait beaucoup, hein. C'était le truc, hein. Si vous voulez te donner un genre, c'était le piercing à l'arcade. En plus, alors le pull là, je l'ai gardé très longtemps et j'avais troué les pouces. Enfin, j'avais troué les manches pour passer les pouces. Hein, bref, j'ai vraiment une dégaine de clochard avec mes Converse et mes jeans troués. Et non seulement j'avais des jeans troués, mais je mettais aussi un autre jean sous mon jean troué. Parce que vous savez, on met bien le t-shirt par-dessus le pull ou le t-shirt à manches longues. Moi, je les mettais aussi par-dessus mes pulls. Mais du coup, je me suis dit, bah, pourquoi on fait pas pareil avec les pantalons troués? Donc, j'ai fait ça. N'importe quoi, hein. Mais il avait un style. Et du coup, je m'étais fait lisser les cheveux aussi. Et c'était pas génial. La coupe champi. Oh non, c'est pas la coupe champi. Mais voilà, je m'étais fait lisser les cheveux pour les. Il y a eu. Ah non, après c'est 2002-2003. Parce qu'on voit l'année d'après, c'est plus la même chose. Hein. Mais là, c'est mon année de terminale 2002-2003. Alors, j'étais défoncé là, hein, surtout. Sur les photos de classe, je suis souvent défoncé parce que c'est un petit peu le délire, hein, d'arriver défoncé à la photo de classe. Donc voilà, ça se voit profondément dans le regard. Surtout que j'avais mon pote en face qui me faisait des conneries, enfin, derrière le photographe qui faisait de la merde. Bonsoir Jibeux, tu arrives au bon moment. Donc là, après, voilà. Après, je quitte. C'est à partir de cette période-là que j'opte pour les picots sur la tête. Pour la coupe en pétard. Mais pour l'heure, en 2001, ça ressemble à ça. Et voilà, quoi. Et c'est pas très propre. Y a pas trop de photos de 2001. Bah si, j'avais déjà montré... J'avais déjà montré celle-là. Oui, je trouvais aussi mes t-shirts, hein, bien sûr. Hein. Y a un trou dans le t-shirt, là. Au niveau du cœur, parce que je suis tellement noir. Non, c'était même pas fait exprès en plus. Je sais plus pourquoi je m'étais fait arracher des gens. Mais bref, mon piercing à l'arcade, il m'aura duré quelques mois parce qu'il se trouve que j'ai fait un rejet. Et aussi, c'était marrant, mais du moment où je me suis fait un piercing à l'arcade, j'ai pas arrêté de me cogner qu'à cet endroit-là, quoi. Qu'au niveau où il y avait le piercing. Et ça me... Mais à chaque fois, genre, quelqu'un qui ouvrait une porte, tu pouvais être sûr que je me la prenais à cet endroit-là. Enfin, je me baignais tout le temps à cet endroit-là, alors que je faisais attention quand même, voilà. Mais bon, bref, j'ai fini par faire un rejet, c'était dégueulasse, ça sointait de la merde et tout, j'étais toujours obligé de nettoyer et tout, enfin, c'était pas génial. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tant pis, plus de piercing. Et c'est aussi pour ça que l'année d'après, je me suis... mis aux teintures, bien sûr, mais ça, on le verra sur de prochaines photos. Parce que ce sera l'année d'après, hein, parce que c'est un des premiers trucs que j'ai fait, je crois, quand j'ai eu ma majorité, c'est que je me suis teint les cheveux. Quoi. Tu trouvais rien, tu étais prolo. Oui, c'est vrai que je les trouvais pas, hein, je les laissais se trouver naturellement, et puis bah, je continuais à les porter plutôt que de les jeter, quoi, en fait, c'est plutôt ça, c'est vrai. C'était plutôt dans cette idée-là, oui. Alors que maintenant, on les achète troués. Hein. C'est... Je trouve ça ridicule, mais bon, c'est pas grave. Les trous de boulettes. Ah, les trous de boulettes. J'ai toujours un pull. J'ai eu un beau pull polaire Quicksilver, je crois, qui date vraiment d'une époque, du collège. Et il y a toujours mes 3-4 trous de boulettes que j'ai fait dessus, qui sont bien marqués, bien ronds, bien... Enfin, tu peux passer une aiguille dedans, enfin, c'est... Très très drôle. Mais le trou que j'avais sur le t-shirt, non, c'était pas un trou de boulette. C'est un peu gros quand même pour un trou de boulette. Cette jeunesse en décadence. Ah, mais oui, je suis d'accord.
Mais enfin bref. Donc voilà un petit peu l'ambiance. Et donc du coup, à Final Fantasy IX, les gens, c'est parti. Parce que comme c'est des jeux longs, et que je me dis on va peut-être faire 2 heures sur chaque, ça me paraît bien. Ou alors 3 heures sur un et 1 heure sur l'autre. Et merde, j'avais mis pause. Elle est où? Pourquoi il y a la musique? Hop là, tais-toi. Tais-toi, musique. Je t'avais mis sur pause. Alors, donc, un Final Fantasy en 4 CD. Hein, comme le 8, il me semble, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des astuces dans le livret que j'aurais mises? Ah putain, mais il y a le. Comment jouer au jeu de cartes de ces morts, là? Le Tetra Master. Alors autant la triple triade dans FF8, c'était STR. Autant le Tetra Master, j'ai jamais bité les règles. Alors qu'elles sont écrites là. Il suffisait de regarder dans le truc, mais même comme ça, je suis pas sûr de comprendre. Enfin bref. Et il y avait. Oh, il y a une pub. Une pub pour envoyer à Squaresoft. Pour recevoir la guide officielle. C'est sympa ça, c'était gratuit du coup? Ah non, attends, c'est pour faire quoi? Ah non, c'est pour s'enregistrer en ligne, ça commençait les délires s'enregistrer sur internet quand t'avais un jeu. Putain, ça commençait déjà, si tôt. Oh la vache. Parce qu'en 2001, je rappelle, l'internet, c'était pas ça. Hein. Moi, en 2001, l'internet, c'était. Oula. Est-ce qu'on était passé à Messenger? Je crois, parce qu'avant j'étais sur AOL, enfin IM, je crois que j'étais passé sur Messenger, il me semble. Oui, très certainement. Mais ouais, ça se résumait à ça, hein. Et puis télécharger les 2 minutes du peuple. Les premières images hentai, les gens, attention, hein. J'ai des reliques hein, perdues sur un disque dur quelque part. Mais ouais, c'était compliqué parce que internet. Bah, déjà en 2001, il me semble, j'avais des potes. Ah, plutôt vers 2001-2002. Plutôt vers 2002, ouais, j'avais des potes qui commençaient à avoir la DSL. Mais bon, ça coûtait rush. Donc moi, j'étais toujours. Vous savez, il y a les CD, donc j'avais toujours un certain nombre d'heures par mois. Ou alors c'était déjà passé en illimité, je sais plus. Mais il me semble que j'avais un certain nombre d'heures par mois. Ça devait être genre 12 ou 20 heures, je sais plus, pour je sais plus combien d'euros. Enfin, c'était abusé et il fallait surveiller parce que si tu dépassais, tu payais plus, mais Internet se coupait pas, quoi. Donc c'était très drôle, bien évidemment. Et puis en plus de ça, bah, bien sûr, quand tu te connectais bah, à la maison, ça ne pouvait pas recevoir de coup de fil ni appeler. Donc c'était un petit peu. En fait, tu pouvais aller sur Internet que le soir ou la nuit, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche la chaîne. La chaîne, bah, je l'ai. Elle est là. Merci. Attention les câbles. ADSL, l'internet de l'époque. Bah, je sais que 2002, début de la. Ouais, il me semble, c'est que c'est. Le... Moi, je sais que j'avais un pote quand j'étais en seconde, du coup. Non, en première. Oui, je crois que c'était en première. Oui, c'était en première. Donc, en 2001. Fin 2001, il avait dû avoir la DSL pendant l'année scolaire, donc ça devait être pendant 2002. Et je sais parce que j'étais tout le temps fourré chez lui parce que c'est lui qui. Parce qu'on téléchargeait des clips aussi. On téléchargeait énormément de musique, hein, puisqu'en plus on était des icos, donc on faisait que ça. On regardait des clips et tout sur je sais pas quel site parce que YouTube ça n'existait pas, donc je sais pas où aller regarder. Très certainement sur Dailymotion. Ou pas, je sais pas, Dailymotion c'est si vieux. Non, c'est pas si vieux. Si, c'est vieux. Je sais qu'on regardait beaucoup de conneries sur abruti.com aussi. 2005, Dailymotion, ah ouais. Non, attends. Historique. Ah ouais, 2005. Donc ça n'existait pas, donc je ne sais pas où on regardait les clips. Mais on regardait des clips. On les téléchargeait sur Morpheus et Kazaa. Enfin, d'abord Morpheus, et après on est passé à Kazaa, avant de passer à Emul, parce que Emul ça n'existait pas à l'époque. Il y avait déjà Nico Nico Vidéo à l'époque. Oh, ça c'est possible parce que les Japonais ils ont toujours été très en avance sur Internet. Nico Nico. Ah non. Nico Nico 2006, c'est arrivé après Dailymotion et YouTube, dis donc. Eh ben dis donc, on en apprend des choses.
Napster, non, je suis jamais passé sur Napster. Mais oui, non, les trucs comme ça pour écouter la musique, ouais, bien sûr. Et puis le Media Player classique avec, avec les modes, le pack de codec Satoshi, je sais plus quoi. 2004 YouTube d'ailleurs. Non, c'est pas 2005 YouTube? Attends. Il me semblait que c'est 2005 YouTube. 14 février 2005 YouTube, les gens. Tout a commencé en 2005. J'ai un peu chipoté pour 2 mois là. Et vas-y, et vas-y. Enfin bref, grosse période, grosse époque. Internet fait partie de nos vies, mais pas trop, puisque comme je le disais, du coup, tu peux pas aller sur Internet et télé, à part les gens qui ont la DSL, à part les gros richous qui ont la DSL, tu peux pas aller sur Internet et téléphoner en même temps. Donc du coup, eh ben, t'es obligé d'attendre qu'il n'y ait plus besoin du téléphone. Donc le soir, la plupart du temps, voire la nuit, hein, parce que j'avais à l'époque-là, j'avais mon premier ordinateur, c'était j'avais récupéré. C'était mon beau-frère qui m'avait filé un vieux Windows 95 des gens de sa famille qui s'en servaient plus, enfin qui venaient de le changer. Et c'était un truc, et il était en train de canner, quoi, le machin, quoi. Donc c'était vraiment, je pouvais rien faire dessus. Il y avait genre 4 gigas d'espace sur le disque dur, un truc comme ça. C'était horrible, quoi. C'était horrible, je pouvais rien faire. Mais bon, j'ai fait mes premières armes là-dessus, et c'est pas plus mal, parce que ça m'a appris à bidouiller, ça m'a appris plein de trucs et tout. Et voilà, donc on pouvait pas faire grand-chose, on pouvait pas stocker grand-chose. J'avais des disquettes à l'époque et j'enregistrais des trucs sur les disquettes parce qu'aussi avec mon pote Zikos de l'époque là qui avait la DSL, et bah on faisait, il m'a fait découvrir Guitar Pro. Enfin, je sais pas si c'était déjà cette époque Guitar Pro, mais ça nous est arrivé parce qu'on a une, on a fondé notre groupe. Bon, en 2002, hein, en 2002, on a fondé le groupe. Et ouais, ça existe depuis, depuis 97, ouais, donc oui. Et donc, c'est l'année aussi où on a découvert Guitar Pro, et pour la composition, c'était merveilleux. Donc du coup, et j'ai téléchargé aussi beaucoup de MIDI que tu pouvais transcrire en partition. Donc plein de trucs comme ça, j'écoutais beaucoup de MIDI aussi avant d'écouter du MP3 parce que c'était plus lourd à télécharger le MP3, donc j'écoutais beaucoup de MIDI. Les musiques de jeux vidéo, je les récupérais déjà en MIDI, les Mega Man, les trucs comme ça, je les avais déjà en MIDI avant que ça puisse être largement téléchargeable en MP3 en bonne qualité. Plein de trucs comme ça, je les retranscrivais sur Guitar Pro, tout ça, puis on faisait nos petites compositions pour notre groupe et tout, puis même perso et tout. Et c'est des trucs que je sauvegardais sur, sur disquette. Des disquettes que j'ai toujours d'ailleurs, je sais pas si elle marche parce que je n'ai plus de lecteur disquette malheureusement, donc on pourra pas explorer. C'est dommage. On pourra pas explorer les disquettes. Après, j'ai toujours mon dossier compo sur un disque dur, mais j'ai plus le logiciel, j'ai plus Guitar Pro craqué, bien sûr. Un Guitar Pro 2, je crois, à l'époque, et 3, on était sur le 2, 3, 4, je crois, un truc comme ça. On tournait sur les versions là. Tu peux arrêter ton machin, je voudrais téléphoner. Ouais, c'est ça, t'as tout à fait ça. Tout à fait ça. Et donc, du coup, j'avais hérité d'un vieil ordi pourri, et du coup, je l'avais dans ma chambre. Parce que, heureusement que mon beau-frère a rejoint ma famille, parce que j'aurais jamais eu d'ordinateur sinon, parce que ma mère ne voyait pas l'intérêt d'avoir un ordinateur à la maison. Parce qu'elle me disait toujours, bah, t'as déjà une console de jeux vidéo, ça va te servir à quoi d'avoir un ordinateur? Internet, tout ça, c'est arrivé très très tard, hein, la notion d'internet et de l'informatique dans ma famille, notamment via moi. Donc voilà, c'était pas ça. Mais du coup, c'était dans ma chambre, puisqu'il y avait que moi qui savais m'en servir et qui voulait m'en servir de toute façon. Donc c'était cool parce que je pouvais y aller n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est aussi à ce moment-là, cette époque-là, où ma mère a, parce que notre télé était en train de canner, on avait une petite télé cathodique, et elle en a racheté une autre, et du coup, on a hérité d'un autre magnétoscope aussi, pareil, via mon beau-frère. Donc on avait deux magnétoscopes, donc je pouvais ripper les cassettes. Ça faisait déjà des années que je ripais les cassettes, bien sûr, de cette façon-là. Et du coup, j'ai hérité de la télé et du magnétoscope dans ma piole. Donc j'ai récupéré les consoles et tout. Donc c'était les années où je commençais à avoir tout dans ma chambre et que c'était fini, en fait. C'était la fin, quoi. Parce que du moment où t'as l'ordinateur, la télé, le magnétoscope et la console dans ta chambre, bah c'est plus la peine d'en sortir.
C'est voilà, c'est normal. Donc c'était vraiment le début de la fin là. C'était voilà. Et donc surfer sur internet la nuit jusqu'à pas d'heure, parce que bien sûr je suis insomniaque de, enfin j'étais insomniaque du collège jusqu'à la fin de mes études, hein, je crois. Donc ça a duré longtemps, jusqu'à mes 25 ans, je crois. Donc je passais mes soirées à regarder des films, jouer aux jeux vidéo, aller sur internet, tout ça, même les trois en même temps la plupart du temps. Écouter de la zik à balle, dans mon casque bien sûr. Je me souviens quand j'étais en 6e, des mecs de ma classe avaient trouvé un site appelé Je te troll. Je crois que ça avait être... ah, avec un mème dessus que j'ai vu la première image de porc. Facture de téléphone de 600 francs. Oui, bah oui, parce que quand tu dépassais, ça te coupait pas la connexion. Hein, bien au contraire, hein, ça te laissait allègrement dépasser le forfait. Guitar Pro, c'est comme Guitar Hero. Non, Guitar Pro, c'est un logiciel qui te permet de faire des tablatures. Donc, pas des partitions, mais des tablatures. Parce que des partitions, c'est écrit avec les notes. Et les tablatures, c'est vraiment dédié à la guitare. Et c'est. Tu écris le numéro des cases. Enfin, c'est. Voilà quoi. Mais c'est pour composer quoi. Mais avec Guitar Pro, tu peux aussi composer la batterie, la basse, la guitare et le chant via cette méthode, vu que c'est que du son MIDI. Et c'était nickel, tu pouvais faire plein de trucs et tout. Je sais même pas si ça existe toujours, mais c'était vraiment super cool. Donc c'est de ta faute si c'est arrivé si tard. C'est quoi? Je dis que c'est pour le travail, puis ça marche. Bah c'était ça, puisqu'on commençait à avoir besoin. On avait de plus en plus de cours d'informatique. Je remets la musique parce que je papote. On avait de plus en plus de cours d'informatique, de trucs comme ça. Enfin, des cours d'informatique. C'était en dehors des cours et c'était genre 1 heure par semaine ou 1 demi-heure par semaine, un truc comme ça. C'était n'importe quoi. On a plus eu des cours d'informatique au collège où on faisait vraiment. On a fait de la dactylo, de la programmation, apprendre ce qui constitue un ordinateur, les périphériques, l'intérieur, à l'extérieur, tout ça et tout. Et on a vraiment appris l'informatique au collège, mais au lycée, ça commençait plus à t'apprendre à surfer sur Internet. Et encore, hein, je suis même pas sûr que c'était ça. Ils nous apprenaient peut-être plutôt à faire de la dactylo, mais en mode on va vous apprendre à vous servir des Word et des fichiers texte ou des trucs comme ça. Mais c'était. Moi j'ai le souvenir que c'était plus le mec il nous disait bah parce qu'il devait être un peu dépassé, il nous disait bah voilà faites ce que vous voulez et qu'on allait sur Etagiv pour regarder des trucs et que attends c'était pas non c'était déjà jeuxvideo.com à l'époque. Attendez. Depuis 97. Ah je sais plus à partir de quand ça a changé de nom. En 2000, c'est ça? Ah oui, en 97, c'est devenu jeuxvideo.com. Et du coup, on a eu sur jeuxvideo.com, on regardait les solutions, on regardait plein de trucs comme ça, des tests et tout. Et surtout, on allait chercher des photos d'Alyssa Milano et de Lara Croft pour les imprimer, parce qu'en plus, on avait accès à une imprimante. Donc, on vidait les cartouches d'encre. De l'école quoi. Bonsoir Ecrest et bonsoir Kenra et bonsoir toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bref, c'était la fête du slip. Donc tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Ça pour dire ouais les cours d'informatique viteuf quoi. En fait, on apprenait plus chez nous à faire nos trucs dans nos coins qu'aux cours d'informatique, aux cours d'internet. Je sais pas si ça a beaucoup changé, hein, parce que j'ai pas l'impression que, à part faire de la dactylo, servir des logiciels Windows, j'ai pas l'impression qu'on leur fasse faire grand chose non plus aux jeunes maintenant. Mais bon. Mais bref, c'était une sacrée époque, tout ça, c'était en train d'arriver. On découvrait tout ça, on était un petit peu les pionniers, on était un petit peu le crash test aussi, pour pas mal de choses. Et puis bien sûr, hein, bien sûr, le porno, quand tu veux télécharger le dernier Matrix et que tu tombes bah, sur autre chose avec Rocco Siffredi ou ce genre de truc, hein, ça c'est un classique, un grand classique du début des années 2000, de l'ère peer-to-peer et compagnie. Mais ouais, et donc je surfais sur une bécane de ces morts complètement éclatée. Donc voilà, c'est l'année 2001. Et
J'ai remis la musique, mais c'est pas la peine parce que nous allons nous relancer dans le Final Fantasy. Attention, on met en comme ça. Ouh! Ce doux son, franchement, ça y a rien de mieux. Ils ont jamais fait mieux en termes de jingle. Le jingle audio. Je suis désolé, mais c'est complètement la vérité, complètement trou. Et donc c'est parti. Oula, je fais de la merde. Je voulais faire ça. Parce que du coup, il faut que je... me remonte un petit peu. Non, c'est pas bien. Voilà, c'est comme ça que je veux faire. Ah, c'est un trou. Il me semble que sur la chaîne de Vetapass, il y a une reprise de cette magnifique musique de Nobuo Uematsu. Aveuglé par votre nostalgie. Ah là là. Continue, comment ça continue, j'ai pas de carte mémoire non. Ah donc ce Final Fantasy 9, il va perturber les joueurs, parce que, notamment les joueurs francophones, puisque nous on connaît Final Fantasy depuis le 7, et donc le 7 et le 8, c'est un registre totalement différent des Final Fantasy habituels. Or, avec celui-là, on revient à une vision beaucoup plus héroïque fantasy... médiéval, ce qui va en perturber plus d'un, moi le premier. Ouais, à la base j'ai pas eu énormément accroché, mais par la suite j'ai accroché. Après c'est un de ceux que j'ai moins le torché, mais c'est parce que c'est l'époque, j'avais autre chose à foutre que de refaire les mêmes jeux mille fois. Et ouais, donc Nobuo Uematsu toujours à la musique bien évidemment, et c'est le dernier il me semble que c'est le dernier FF d'Hironobu Sakaguchi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont revenus aux racines aussi. Je sais pas, je veux pas étudier du tout les histoires des Final Fantasy ni rien. Il y en a qui en savent beaucoup mieux, beaucoup plus que moi sur le sujet. J'avoue que l'absence de technologie des 7 et 8 m'avait manqué. Ouais, pareil, ouais. J'étais plus... ouais. Mais surtout le 7 en mode diesel punk et tout ça qui m'avait... Moi j'aimais beaucoup ce genre d'ambiance. J'aime toujours beaucoup ce genre d'ambiance. Un peu post-apo comme ça, enfin... Ou pré-post-apo. Et aussi, j'avais du mal avec le personnage principal aussi. Je sais plus trop pourquoi. Il me semble qu'en français, il l'avait appelé Zidane en plus. Alors c'est Jidane. Ou c'est en Jap qui s'appelle Zidane. Je sais plus. Du coup, il a une queue de singe, un peu comme Goku, ça aurait dû me plaire, mais on n'y voit rien ici. Ah putain, j'y ai rejoué avec le Moguri mode il n'y a pas longtemps. Et putain, c'est... Jouez-y sur PC avec le Moguri mode, vous allez voir le jeu. T'as l'impression qu'il a pas vieilli, c'est assez ouf. Et il y avait des pubs Coca-Cola aussi, Final Fantasy 9 avec Jidan et tout. C'était.
T'as pas fini le 9? Bah moi c'est le seul où j'ai pas bourré les quêtes annexes et les boss optionnels et tout. J'ai pas je crois que j'ai give up Gaïa, tout ça, enfin je sais plus si c'était Gaïa le boss qui s'appelait. Mais j'ai give up ça, les chocobos, tout ça et tout. J'ai eu la flemme. J'avais déjà fait tout ça dans le 7 et le 8, donc là du coup j'ai eu la flemme. Il devient Saiyan 4 comme Goku. Est-ce qu'on peut jouer à l'analogue? Ah oui, on peut jouer à l'analogue. Oh la vache, ça change. T'as de pas avoir l'analogue au même endroit que... qu'on les a maintenant, ça me perd. On sent que la DualShock 2, elle est pas faite vraiment pour jouer à l'analogue. Oui, appuyer sur la touche, machin. D'accord. Allumer la bougie. Qui va là? Et donc, voilà, Jidan. Et nous, on va l'appeler... Comment je retourne en arrière? Ah! Comment je l'appelle? Goku. On peut pas passer en... Comment on passe en minuscule? Y a pas de minuscule? GG, non pas GG, non. Ah bah si, elles sont en dessous les minuscules, je suis con. Oh, je suis débile. Moi je crois que c'était juste les accents et tout, mais non, y a toutes les minuscules en dessous. Non, c'est nul. Ah, je sais. Je vais l'appeler Jano. Jano, avec deux N, voilà. C'est bien comme ça. Jean Q, Jean qui? Après, c'est moi, Jano. It's me, Jano. Ah, c'est vrai que c'est Franck. Oh, Jano, tu es encore en retard. Et désolé, le chef est arrivé. Et non, pas encore. Vous allez tous finir pétrifiés dans la forêt des merdes. Ah oui, c'est une bataille. Le tuto. Mais ouais, donc jeu de la 1FF sur la fin de vie de la PlayStation. Hein. Donc forcément c'est magnifique. Pour l'époque et pour la console bien sûr. Mais c'est un jeu, il y a beaucoup plus de détails que dans le 7. Et un peu plus que dans le 8. Alors nous pouvons voler, on va voler. Ah il y a voleur, c'est quoi voleur? Je me souviens plus. On va attaquer. Si y a pas grand chose à faire en début de FF, y a jamais grand chose à faire à part attaquer. Hein. Mais si voleur parce que je me souviens plus ce que ça fait. Et les musiques, hein. L'OST de ce FF est vraiment. Enfin, toutes les OST des FF sont exceptionnelles, mais. Ah c'est pour fuir. Je me souvenais plus. Mais celle-là vraiment, enfin, bon, elles ont toutes un truc spécial, mais celle-là vraiment une vibe très très caractéristique. Et oui, c'est Papa Ours, le chef d'équipe. Misérable, petite merde, c'est Téléchat, c'est bac de Téléchat. C'est que vous avez fait des progrès, bande de Minus. Allez, tous en réunion. Liminable. Ah, mais j'ai pas pris d'eau, merde. Faut que j'aille me chercher un verre d'eau. Est-ce
En plus, je vais parler là de ouf. À lire les dialogues. Et voilà le plan pour aujourd'hui. On va à Alexandrie. Et l'objectif de la bande des Tantalas est d'enlever la princesse Grena. Bon, je vous explique. Nous allons bientôt arriver à Alexandrie. Une fois qu'on aura atterri, on fera comme si de rien n'était. Et on leur avouera, et on leur douera la fameuse pièce « Je veux être ton oisillon ». Marcus, Marcus, on compte sur toi. Tu as le rôle principal. Je ferai de mon mieux, mais Franck et Jono sont les vrais héros de cet enlèvement. Alors on traque, je lâche ça sur les spectateurs. Je tiens à dire que j'aime pas ces bestioles. Mais bon, je ferai avec. Putain, je me souviens pas que c'est... C'est marrant, j'ai fait le Moguri Mode et j'ai l'impression que la traduction a été revue aussi avec, avec le mode PC. Et c'est là qu'intervient... Et c'est là que t'interviens, Jano. J'ai pigé pendant ce temps-là. J'enlève la princesse Grena. Exactement, notre cible, c'est la plus belle princesse de l'histoire d'Alexandrie, la belle Grena. Puis pareil dans celui-là, un moult cinématique d'une qualité incroyable. Ah oui, c'est vrai. C'est Bibi. En même temps, enlever la reine Brunette, comment il aurait fait? Ah, oh, est-ce que je discerne un brin de grossophobie? Oh là là. Bon, ça bien sûr s'est vieilli, mais... Oh là là. Il avait vraiment foutu le paquet. Hein. Vraiment foutu le paquet. Voilà, Hironobu Sakaguchi. Il me semble que c'est le dernier qu'il a fait. Hein. Ouais, c'est le créateur original de la saga. Et il me semble que si je regarde sur sa page... Il est peut-être revenu sur des FF récents, non? Et après, c'était, il était que producteur délégué sur les autres titres. C'est ça. Donc c'est plus un titre honorifique, entre guillemets. Ça va ? Meilleur personnage du jeu, c'est parti. C'est vrai que c'est vraiment Vivi qui m'a fait accrocher, je trouve. Parce que Jidan, même si c'est vrai que Jidan, il a ce côté... c'est un héros positif, quoi. Donc jusqu'ici, dans les FF, de ce qu'on avait vu, nous on avait... Non, le 7 et le 8, c'était à chaque fois, c'était des Dark Sasuke, quoi. Donc forcément, d'avoir un héros positif, c'était là en mode... Oh, mais non, Devoir des nobles de venir au théâtre d'Alexandrie tous les ans. On peut pas avoir des cartes ici ou je sais plus quoi. Les nobles, les nobles. Je sais plus, il y a des trucs ici. Hein. C'est dangereux de sortir tout seul. Tiens, prends ça. Ils peuvent pas me donner une épée? Ah, là, il y a un truc là. Il y a plein de petits trucs à fouiller aussi. Enfin, je trouve qu'ils ont mieux géré le level design dans celui-là, notamment avec le point d'exclamation qui apparaît quand il y a quelque chose à récupérer. Oh là, les musiques qui mettent dans l'ambiance tout de suite, quoi. Le 7, il a pas mal vieilli. Ah oui, le 7 a énormément vieilli, bien sûr. Bah, c'était un jeu du début de la PlayStation, quoi, donc forcément. Hein. C'est là qu'on voit vraiment l'écart. C'est en ça qu'on voit vraiment que cette génération-là a vraiment changé le game. Hein. Parce que tu vois les jeux du début de gen et de fin de gen, ils ont plus rien à voir les uns avec les autres en termes graphiquement, tout ça et tout. Enfin, il y a des idées de gameplay qui ont été intégrées, digérées... retravailler, enfin c'est...
Et ouais, ça serait bien, tu regardes un... Merde, j'ai pas été à l'étage. Tu regardes un FF7, et après tu regardes un FF9, quoi. C'est... Puis même, tu y joues, quoi. Parce que là... Ah, c'est super, parce que le jeu, tu peux y jouer au joystick. Hein, la fin de la gêne PlayStation, ça y est, on commence à pouvoir jouer au joystick à peu près bien. Et rien que ça, ça a changé énormément de choses, parce que le... Je sais pas si sur l'8, on pouvait jouer au joystick. Mais sur l'8, les mouvements étaient déjà bien plus smooth. Mais la rigidité du 7, elle est un peu compliquée hein, quand tu reprends en main dans le... Enfin, du moins dans le... Ah non. Du moins sur la console d'origine. C'est Queen le meilleur perso. Aïe. Ça pas que tu me gênes. Bah alors, merde. J'ai peur pour aller au théâtre. Mais oui, allons au théâtre. Il y a des trucs planqués partout. Attends, mode Resident Evil, tu fais le... Tu racles tous les bords en mâchant X. Honorable visiteur de Traîneau, le château... Ah oui, Traîneau, c'est la ville... C'est la ville des gros bourgeois avec le casino et tout là. Avec plein de voleurs et tout ça. Le château d'Alexandrie est par ici. Et là on part dans Romain des Bois. Bush connaît si tu la captures à cette grenouille avec le bon équipement pour 5 PM. FSM9, alors là je sais pas parce que comme je te dis j'ai pas maxé, donc du coup j'ai pas maxé les personnages, enfin si je crois que j'ai maxé quelques personnages mais je pense pas que Quina, je pense pas que j'ai fait grand chose avec Quina hein. De mémoire je te dis j'ai pas fait les quêtes annexes ou c'est tout, enfin j'en ai fait que quelques unes quoi. Ah par contre il y a toujours ce problème de les gens qui m'empêchent de passer, il y a un truc là. C'est vraiment très agréable de regarder partout, de fouiller. Clic. Je pensais aller voir les pièces, mais cette idée me donne le cafard. La journée va être longue. Mais bon, ce sera la dernière. Pourquoi tu vas te suicider? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Les gens sont dépressifs. Plein de cartes en entrée de jeu. Aujourd'hui, cocktail spécial Alexandrie de Mitari sur présentation de Hello Majesty. Bonsoir, paladin. Quoi toi, t'as une place pour la présentation, il faut que tu passes à la caisse sur la place. Si tu te tamponnes pas ton billet, tu ne pourras pas entrer au château. Ah bah merci de me prévenir. Je m'identifie énormément au personnage de Bibi. Alors, c'est ce que Johanna m'a dit quand elle a découvert le jeu cet été. Enfin, c'était quand qu'on y a joué, je sais plus. On peut déjà acheter des trucs. J'ai déjà autant de villes. Par contre, moi, je lui ai dit qu'elle, c'était complètement Queen. Hein. Au début, elle m'en a voulu, puis après, elle a fini par comprendre, elle a accepté. Elle a dit que c'était vrai. Donc, nous sommes Bibi et Queen. Ah ouais, non, ça, c'est affreux, ça, le jeu de la corde. Ouais, il y a un peu de lag en plus, donc c'est un peu chiant. Mais il me semble qu'il faut sauter genre plus de 100 fois, enfin je sais plus, c'est infini, ça rend fou. Des nobles. Je vais me faire tamponner, qu'est-ce que tu veux? Je vais me faire tamponner mon... Voilà mon billet. C'est quoi la pièce d'aujourd'hui? Cette année on donne, je vais être ton oisillon. La pièce est jouée par la troupe des Tantalas. Parle-moi d'Alexandrie. Depuis que la reine Brunette règne, il fait bon vivre à Alexandrie. Voilà mon billet.
Il est bizarre ce billet. Mais c'est un faux. Il y en a plein en ce moment. Oh non. C'est pas si grave que ça, je comprends que tu sois déçu, mais... Tiens, c'est pour te consoler. Ah super. On va voir Jack dans la ruelle. Mais je veux pas jouer aux cartes, je veux voir la pièce. Non, j'aime pas les fleurs, je veux juste voir s'il y a des trucs à choper. Il y a tellement de trucs. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pimper les armes aussi. Avec les Forgerax. Et comment on marche là-dedans? Ah oui, parce que... Quoi, il a dit quoi? Personne ne trouvera mes trois cartes fétiches. Parce que contrairement aux FF7, où tu marches de base, bah là tu ne marches pas, tu cours de base. Et comment on marche du coup? Ah bah juste un. Il y avait déjà la mi-course sur le stick. Oh là là. Quoi? Vous n'avez plus de chambre? Je suis vraiment désolé. Mais c'est impossible. J'avais pourtant réservé une. Bobum bobum. C'est moi quand je vais à Paris, ça. Il y a trop de gens partout. Ça m'angoisse. Désolé, mais je n'ai plus de chambre disponible. Mais ça m'angoisse. Je peux quand même monter pour check un peu là. Avec madame Hippopotame. Mais je sais que t'es... On est vraiment chez les petits malins, hein. Et par contre, quand je joue... Ah ouais, voilà, ça marche. Quand je joue... D'accord, c'est parce qu'il faut que je joue à la croix directionnelle si je veux que ça... D'accord. Donc oui, j'ai rien dit. Il marche de base quand on joue à la croix directionnelle en appuyant sur rond. On court. Et c'est parce que... Ça gère bien le stick analogique. Et vous voyez, je me sens que dans FF8... Oh, je sais plus si on joue à l'analogique dans le FF8. Mais une chose est sûre, il n'y a pas la marche en appuyant sur... En dirigeant le stick à mi-course, quoi. Mais c'est pas vrai, cette ancienne ne tient jamais. Voilà, ça devrait tenir. Et c'est fini pour aujourd'hui. Eh ben dis donc. T'as des grosses journées, toi, hein. Et toi, ton billet, c'était un faux, pas vrai? C'est toi, Jack? Non, je suis pas un voleur, moi. Mais c'est pas le problème. Si tu deviens mon serviteur, je te montrerai comment voir la pièce de ce soir. Ton serviteur? D'accord. Alors tu dois m'obéir. Va surveiller le bout de la rue. Y'a personne. On suit le plan. Mais quel plan? Tu m'as rien dit. Mais il y avait quelqu'un qui arrivait, putain. C'est toi, monsieur Jack? Comment tu sais ça? Si tu m'appelles Jack, c'est que tu veux jouer aux cartes, c'est ça? Quoi, tu connais pas les règles, j'ai vu que j'ai... Oui, voilà. Ah, je me souvenais plus qu'on pouvait jouer au truc direct, là. Le manuel du débutant. Jouer aux cartes, tu vas en avoir au moins 5. Du coup, j'ai laissé tomber l'autre.
Comment se déroule une partie? Les joueurs posent leur carte sur un tableau de 4 cases, de 4 fois 4 cases. Parfois la carte d'un joueur passe à l'adversaire, tout le secret est dans les triangles jaunes. Oui, je sais ça. Mais sauf c'est les puissances qu'on gère pas bien dans ce jeu. Quand un triangle pointe vers une carte, l'adverse qu'elle change de couleur, elle est aussitôt à toi. Si tu poses une carte de telle façon que l'un des triangles se trouve en face de celui d'une carte de ton adversaire, il y a bataille. C'est quoi une bataille? Il y a tant de batailles que de triangles qui se font face. Dans ce genre de situation, tu peux choisir la carte qui participera à la première bataille. Ton avantage dans la partie dépend de tes choix. Ensuite, ah oui, ensuite il y a les combos. C'est quoi les combos? Eh bien allez, on passe au manuel du technicien. Il faut surtout faire attention quand il y a une bataille. Si ta carte bat celle de ton adversaire, tu gagnes toutes les cartes qui sont en face de chaque triangle de cette dernière. C'est ça un combo. Par contre, si la carte de ton adversaire gagne, tu perds toutes les cartes qui sont perdues en face de ce triangle. Bonne chance pour le sans faute. C'est quoi un sans faute? Oui, oui, blablabla. C'est quoi un niveau? Fait une partie? Allez, ce jeu de ses morts là. Ça m'a pas manqué ça. Du coup, j'ai quoi? Et oui, il y a toujours 0, M, 00. Il y a très peu de chiffres en fait. Donc on sait vraiment pas. Oh là là, quel enfer. Puis je veux pas les perdre moi, mes cartes. Non. Les chiffres apparaissent quand quand il y a bataille quoi, donc au secours quoi. Cette ambiance de merde. Je mets quoi. Je comprends rien. Je comprends rien. Mais il a que des cartes de merde, lui. Ah merde, il a fait un combo, putain. Ah merde. Je suis en train de me baiser là, non? Bon, moi j'ai gagné. J'ai pas compris, mais j'ai gagné. Ouais, maintenant je lui pique un truc. Ah, je l'ai pas celle-là. Non, c'est bon. Il y avait une logique à comprendre une fois qu'on l'a. Il est plus simple que FF8, contrairement à celui-là. Ouais, mais justement, je comprends pas où qu'on connaît la puissance des cartes, en fait. C'est ça qui m'énerve. Alors, du coup, on retourne voir l'autre, hein, bien sûr. On n'oublie pas la quête. En mode, excusez-moi, je joue aux cartes. Bonsoir, Dazubi. Par ici! Attends, il y a peut-être des trucs là.
Je vais partout, il faut pas. La zic. Je vous ai dit, hein, la zic, moi j'adorais ça à l'époque. Hein, donc, ma vie c'était autour de la zic. Pourquoi je peux pas passer? Putain. Oh, les enfants, quoi. Ah, ça y est, elle s'est barrée. Le bateau d'aujourd'hui, ils volent grâce à la brume. Mais un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. Perdu mon petit chat. D'accord, je te préviens si je vois ton petit chat. Elle me perturbe, elle, parce qu'elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, mais elle reste là, d'accord. Je croyais qu'elle bougeait, elle ne bouge pas. On voit sur les toits, je crois, le chat. Maintenant, il faut aller là-haut. Monte devant. Non, je fouille d'abord. Pas besoin d'aller à Décathlon, on trouve les tentes dans l'herbe. Parce que les tentes, ça pousse dans la terre. Un moque dans la gueule. Je t'ai fait peur, désolé, Kubo. C'est Kubo le Mog. C'est Kubo le Mog. D'accord. Kubo. C'est mon premier serviteur. Il faudrait bien vous entendre. Pour m'excuser, je vais écrire ton histoire dans le livre des Mog. Si tu veux faire une sauvegarde, parle à un Mog, Kubo. Et si tu as une tente, nous pouvons aussi te régénérer. J'ai compris. Je pense que nous nous entendrons bien. Et puis il ouvre son énorme livre. Oui, j'arrive. Ah, Steel Skin. Kubo est là? Kubo, Steel Skin. Mais tu repars, Kubo? Oui, et ce voyage risque d'être plus long que les autres. Tu vas me manquer, Kubo. Quoi, Kubo? Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. D'Akubo. À bientôt. Tu salueras Mokta et tous ceux du château de ma part. Et il part. Garceau au chapeau pointu, c'est un ami à toi? Ah non, d'accord, il... Oui, c'est le nom de Vivi, garçon au chapeau pointu, j'avais pas fait gaffe. Exakubo, c'est un ami voyageur. Bon, tu viens ou quoi, la merde? Bah oui! Je fais une sauvegarde et je vais me chercher de l'eau, je reviens. Allons dans la fente. À de suite. Ce sera mieux de cette façon qu'un petit verre d'eau. Ah oui, la mock post. C'est quoi déjà? Je vais t'expliquer, Kubo, la mock post. La mock post, c'est un réseau de communication par courrier entre Mog. Par exemple,
Grâce à cet excellent système, un Mog peut envoyer une lettre d'amour à sa copine Mog, et elle peut à son tour lui répondre « Je suis désolé, mais... » Mais en ce moment, il y a de moins en moins de Mog Factor. Alors je voudrais te confier ma lettre. Ok, j'accepte. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Moglière ? À plein de jeux de mots avec les Mog et les Kubo, bien sûr. Ok. Merci, Kubo. Merde. Qu'est-ce que je le ferai attendre, lui ? Bonjour. Allez, si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. T'as pas le vertige, quand même. T'inquiète pas, il suffit de penser que c'est pas où. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Allez, non, pas le temps de se reposer. Il va y avoir un problème là, non? Je sais plus, ouais. Bah c'est tombé. C'est rien, fais pas attention. Je peux plus retourner en arrière? Ouais, non. Et là, c'est le chat. 29 gilles. Non, c'est pas le chat? Je croyais que c'était le chat. Je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais. Bibine. C'est marrant comme nom. Moi c'est Puc. Parce que je pue du cul. Je peux pas passer là? Sans déconner, faut que j'aille là. Ah, faut que je descende peut-être. Veut appeler son chat Bibi. Ah. Il est où le chat? La fortune. Alors il me semble que dans ce FF9, les thunes c'est pas trop un problème. Par contre, je me souviens que le leveling c'était assez chiant. Parce que en fait c'est très scénarisé, là, une bonne grosse partie du jeu est très scénarisée. Et tu dois alterner entre différents personnages dans différents endroits, mais c'est pas toi qui choisis. Et du coup t'as des personnages qui ne pexent pas en très longtemps, mais qu'après qui se retrouvent à devoir affronter des boss incroyables. Et ça c'est assez frustrant, je trouve. Je trouve qu'il est assez mal géré à ce niveau-là, ce jeu. Les PC sont chiants enfermés aussi. Ouais. Bonsoir Kyriak. On est arrivé. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. Hein, là où... Les persos obligatoires, les trucs avec les persos obligatoires, c'est plus rare dans les autres. Quoi. Et tu peux très vite dans les autres changer ton équipe comme tu veux, faire pexer les gens comme tu veux, quoi. Ah, c'est vraiment, c'est très dirigiste à ce niveau-là et ça nuit un petit peu, je trouve. Parce que pendant une bonne partie du jeu, un mec comme Steiner, qui est censé être le tank, il tape que dalle, il se fait défoncer la gueule. Lui, là.
Oh, moi, Steiner, il faisait partie de mon équipe de fin, hein, clairement. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus, sont sur le point d'être séparés. Oui, parce qu'on va vous jouer juste une scène, hein, du coup on va vous raconter tout le reste, comme ça ira plus vite. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lear. La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Lear. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grena, noble assistance, et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. Moi, je crois que c'était Jidan, Steiner, Bibi et Grena, je crois. À présent, il veut briser son amour. Ah, quel malheureux pauvre Marcus! Quel espoir te tiendra en vie, Aja? Pour notre ami! Mais l'homme auront-elles raison de l'exécrable roi Lear? Oui! Nous voici, compagnons. Laissez-le moi. C'est impossible. Il a assassiné mes frères. N'approchez pas, misérable vaurien. Ah, la zik. Mais toutes les zik sont géniales. Ceux qui l'affrontent disparaissent dans les ténèbres. Relire, voilà la douleur qui habite le cœur. Et reçoit sa souffrance. On peut faire des illusions, oui, il faut faire des illusions, attendez. Faisons des illusions. C'est pas très efficace, hein. Non, s'il faut pas le terminer avec Marcus, parce qu'on a des points, je crois. Ah, je sais plus, il y a un délire avec. Avec le fait de faire une belle pièce. Et un combat à l'épée aussi après qu'il faut pas foirer.
Et je me demande si pendant le combat-là, il n'y a pas des trucs qui sont pris en compte pour la notation finale et... est-ce qu'on peut gagner de la thune, hein? Sans... Ouais, alors ma mémoire est tellement... est extrêmement fraîche, hein. Puisque finalement, j'ai joué au jeu il y a quelques mois. Donc je me souviens de quelques trucs. Mais sinon, je me souvenais pas de grand-chose, puisque je n'y avais pas joué depuis l'époque. Enfin, je me souvenais pas des détails, du moins, mais je me souvenais de... pas mal de trucs. Jamais tu n'auras mon pardon, Mercu. Arrête! Pourquoi m'arrêtes-tu, Franck? Jono, reprends-toi. Si la princesse Cordelia épouse le prince Schneider, nos deux royaumes vivront enfin en paix. Cesse tes plaisanteries. Il n'y aura pas de situation plus malheureuse que par le monde, de par le monde. Ah, c'est là le combat d'épée. Oh! Oh! Oh, ils font un oh. Ah, c'est chiant là. Faut faire un sans faute, mais je sens que ça va être compliqué. Je n'entendais pas moi, puisque c'est ainsi que nous nous battrons. C'est parti. Ça reste pas trop dur. Merde, j'ai appuyé trop vite. Ah, j'ai fait une faute, putain. J'ai voulu aller trop vite et du coup j'ai appuyé deux fois et ça m'a fait foirer. Sinon c'est pas compliqué, hein. Nous finirons ce combat une autre fois, je ne te laisserai pas fuir. 56 ans, ah merde. Ah merde, la reine Branette t'as pas aimé. On recommence parce que je peux pas passer, laisser passer ça. Faut aller plus vite ou faire quoi? Ah, c'est mieux. Ah, la reine Brienne, beaucoup aimé. T'as, il suffit de faire une faute et c'est fini, quoi. 844G, c'est tout? Il semblait qu'on pouvait gagner plus. Et dans Smash Bros, cette musique. What? T'as fini de te changer, John? Non mais mon casque, il pue. Et alors le mien aussi, et pas qu'un peu, tu peux me croire. Et puis l'armure est trop petite. Il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées, ah c'est dégueulasse. Les gants sont poisseux. Les poches sont pleines de miettes de biscottes. Ah c'est l'armure de Jonah. Ça va, j'ai compris. T'as pas oublié ce qu'on nous avait apporté? Bien sûr que non, pour qui tu me prends? Ah mon dieu. C'est comment ça s'appelle cette merde déjà? Ok, je vais mettre le somnifère dans la tasse de la princesse.
Et moi, je vais donner son cadeau à sa majesté la reine. Ça a l'air d'aller, ils dorment comme des bébés. Non mais sans déconner, il y a des musiques de d'autres FF que FF7 dans Smash. Parce qu'il y a les personnages de Final Fantasy 7. Donc il y a des OST de Final Fantasy 7, mais il y a des OST des autres finales. La loge royale est en haut de l'escalier. J'ai compris. Ils sont bientôt à la scène où Marcus s'introduit chez Cordelia. C'est une métaphore, bien sûr. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Oui, je sais, mais avant, je fouillais la pièce. Maman, putain, il est tout nu, il pense à sa mère. Mais ouais, la version PC doit changer pas mal de trucs et je pense que le mode doit encore changer encore plus de trucs. Parce que j'ai vraiment l'impression que les dialogues sont pas trop les mêmes. Ouais, je peux pas fouiller ailleurs, il faut vraiment... Ah merde. J'ai un truc. Quelque chose à signer. Ah oui, il y a aussi le délire que les gardes du château, c'est des meufs en string. Très bien, continuons votre ronde. J'ai jamais vraiment compris ça. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Elles sont en body, genre en body de gym des années 90, comme Camille dans Street Fighter 2, quoi. C'est quoi ce déguisement? Pardonnez-moi, mais pourriez-vous bouger votre putain de cul? Je vais la dévisager. C'est qui ça? Ai-je quelque chose sur le visage? Non mais... Je me demandais si c'était pas toi que j'attendais. Pardon, vous m'attendiez? Ouais, depuis ta naissance... Ah oui, c'est vrai que c'est un énorme dragueur. C'est un énorme forceur, Jinan. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai pas trop aimé le personnage. Il est ultra dragueur, c'est un Yamcha, quoi. Et relou, quoi. J'ai toujours su qu'on se rencontrerait ici. Vous joueriez-vous de moi? Non, pas du tout, voyons. Alors je vous prie de m'excuser. Attends. On ne s'est pas déjà rencontré, genre dans mes rêves, lol. Non, je... Ah bon? T'as eu l'air Luc et tout. Et puis non, je ne vois pas pourquoi je laisserais filer une jolie fille comme toi. Au fait, tu serais pas... Pardon. Allez, pareil, moi. Qu'est-ce que c'est? Reste pas là, c'est la princesse. Quoi? C'est hyper important pour le scénario, que ce soit un dragueur de ouf, ouais, c'est clair. Ah, la musique, Jesters on the Moon, j'adore cette OST. D'ailleurs, elle est dans le tout premier épisode de Memento, hein, il me semble. Ah non, c'est dans... C'est Lynn Bloom dans le premier épisode de Memento. Celle-là, elle est dans l'épisode sur... les mêmes sur Jésus. C'est horrible. C'est dramatique. Sa Majesté ne va pas être contente. Dépêchons-nous. C'est pas par là. Je sais bien. Vraiment? Vrai de vrai. Foriol. J'en doute. Vous n'avez pas en douté. Pour l'instant, allons voir sa majesté. Ah ouais, dans la nouvelle traduc, il se tutoie, hein, il se voit pas. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment? Vrai de vrai. J'en doute. Vous n'avez pas en douté. Attendons d'aller voir sa majesté. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Elle ne veut voir personne, revenez plus tard. Ah, Béate. Est-ce urgent? Exactement. Je dirais même, c'est urgence, une urgence urgentissime. Alors, je vais m'en occuper. Ah oui, s'il vous plaît. Ah, Béate, mêle-toi de tes affaires. Alors, de quoi s'agit-il? La princesse est introuvable, c'est horrible. Je vois, attendez-moi là. Attends, le calme et tout. Mmh.
le perso qu'on aurait tellement voulu voir dans l'équipe. Bah, tu joues avec elle à un moment, mais oui, c'est clair que j'aurais préféré avoir elle que Steiner, hein, c'est sûr. Mais bon. Elle est dans le camp des méchants pendant une partie du jeu, donc forcément. Je regarde la pièce, revenez plus tard. C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Comment? À quoi pense-t-elle? Général Beat, à vos ordres. Ah oui, et puis, truc là. C'est Hans Zimmer? Comment on peut l'appeler Steiner? C'est court en plus, on peut pas mettre grand chose comme lettre. Je voulais l'appeler. Non. C'est. Je vais pas l'appeler comme je pensais l'appeler. Rudolf. Comme les écoles Steiner, tout à fait. C'est... Oppenheimer. Mais c'est. J'y ai pas assez de place pour Oppenheimer, mais bien joué. Weinstein, il n'y a pas assez non plus. Einstein, ce serait trop pour lui. Il y a quoi comme nom allemand? Non, pas celui-là. Steiner, comment je pourrais l'appeler? Merkel. Ah, mais j'ai pas d'idée. Au début, je voulais mettre Wurst. Ça veut dire saucisse. Attends, c'est Wurst? Ah, je sais plus. Oui, c'est ça. Je ne me souviens plus si c'était avec un TZ ou avec un ST. Wurster. Le saucissier. Ou sinon, attendez. Sinon, il y a... Je crois que... Non, c'est pas ça. Derrick. Attendez. Si, c'est ça, c'est saucisse en anglais. Et c'est aussi utilisé pour dire petite bite. Das Clown. Captain Tidbit, à vos ordres. Retrouvez Grena et vite. À vos ordres. Les Brutos. Ah oui, les Brutos, c'est les équipes. Ouais, c'est son équipe à lui. C'est les Avengers. Rassemblement. Ah oui, c'est vrai, il faut aller les chercher et tout. Pourquoi personne n'a bien Captain Weiner. Brutus au rapport. Ah mais si, vous êtes que deux. Où sont les six autres? Captain
Ordre de sa majesté, habillez-vous et retrouvez la princesse. Par contre, FF9 reste plus accessible pour un gamin qui a fait 8 ou 7 niveau univers. Ah oui, oui, je pense aussi. Après... je sais pas. Les JRPG pour les gamins, ouais, je sais pas. Il est peut-être plus accessible que FF. Tout court. Je vois mal un gamin jouer à des JRPG, je sais pas. Il faut Blutch, Coel, Loda, Togebon, Berwad, Weimar. Oula, on est passé pas loin de quelque chose. Hagen et Megan Time. Ah, les Japonais qui ont un fantasme sur l'Allemagne, hein, on se demande bien pourquoi. C'est Blutch. Blutch et Coel. Weimar sort avec Perrine, la serveuse de la taverne. On s'en bat les couilles! Allez chercher la princesse, bordel de merde! Kubo? C'est Mokta. Il y a longtemps que j'ai pas de courrier. Je suis réfléchi à faire jouer FF à mon neveu. Il a quel âge? Mon neveu, il joue à Castlevania, Aria of Sorrow. Et ma composante de RPG. Alors je m'étais dit que ça pourrait lui plaire. Après, c'est quand même différent, c'est. Mario RPG, lequel? Parce que c'est pareil, ouais, ça, je pense que c'est des jeux peut-être plus accessibles, mais c'est pas forcément des... Parce que ça, c'est vraiment des JRPG à l'ancienne, hein, c'est... C'est un peu raide, je pense, pour un gamin... En plus, un gamin à l'heure actuelle... Il a 7 ans. Sur Metroid Zero Mission. Pas Mario RPG, Luigi, Mario et Luigi. Ah ouais. Ah, j'ai faim. C'est tout ce que vous savez dire. C'est pour ça que le monde se moque de vous, de nous. Bougez-vous un peu. Je viens de terre si je peux avoir à manger, j'ai faim. Tu as bouffé mon poing dans la gueule, oui. Ah, l'autorité. Il y a rien dans les trucs là. Il a vu Advent Children et il veut jouer FF7 depuis. Oula. Bah, après tu peux le faire jouer au mode FF7 modé avec le Satsuki Yatoshi Pack là. C'est vraiment ça fait un miracle hein. Parce que le FF7 Light Vanilla, c'est rude hein, quand même. Merde. Ah mais non. On chôme pas ici. Les choses ça vole, ça fait des bulles. Et ils sont où les autres Brutos? Le PC de papier et mamie est trop la ramasse. Ah ouais, ouais c'est vrai qu'il faut un truc quand même qui tienne le coup quoi. La princesse n'est pas ici, elle est dans un autre château, lol. Donc le manuscrit, je vais être ton osillon, la princesse veut que je lui apporte. Cette terrasphère a été donnée par notre ancien roi pour l'honneur de la naissance de la princesse. Je me vomis dans la bouche de la bonne pizza.
Je me demande comment va Toto, il était le précepteur de la princesse. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je suis tenu militaire, mais je préfère passer mes journées avec des livres. Capitaine, je vais quitter les Brutos. Sûrement pas. Tu viens à peine d'y entrer, arrête de te plaindre et va chercher la princesse. J'aurais peut-être dû lui dire, ouais, ok, tu peux, mais tant que t'auras, quand t'auras fini de trouver la princesse. Ah ouais, même la DS en émulation, ça passe pas. Ah ouais, effectivement. Ouais. Bon, après, maintenant, une DS et des jeux DS, ça coûte pas cher. Hein. C'est assez facile à trouver à des prix vraiment... En fait, les jeux DS, Wii, Wii U, PS3, Xbox 360, ils sont au même prix que les jeux NES et Super NES au début des années 2000-2010, quoi. Ah, c'est parce que c'est ça se passe toujours par tranche de 10 ans, comme ça, l'augmentation des prix. Donc quand ces jeux-là sont vraiment devenus des jeux rétro pour la génération qui est en train de grandir, là ça va commencer à augmenter de tarifs, donc... Mais je pense qu'il trouve pas cher. Hein. Il peut jouer que chez papy mamie. Ah d'accord. Ah c'est dommage. La princesse veut que je lui apporte les livres, les chimères, mais il y en a beaucoup, bah oui. Ah oui, et c'est foutu de votre gueule les gars. Vous êtes débiles. Ils n'ont pas encore vu la princesse aujourd'hui. Bah, je croyais qu'elle vous avait demandé de rapporter des bouquins. Soudain. Ça c'est pas des brutas, c'est des... Putain, à chaque fois j'ai eu peur, j'ai l'impression que c'est dehors, que ça gueule. Et si je ne retrouve pas la princesse avant la fin, sa majesté va rentrer dans une rage folle. Et Béat et ses troupes vont encore se moquer de nous. Pressons. Ça c'est des brutas. J'ai vu personne. Ah c'est Franck. Eh oui. Venez vous asseoir avec moi, capitaine. Ce n'est pas le moment, Ordre Sa Majesté, nous devons chercher la princesse. Ouais, oh, c'est très important. Faites pas confiance, je vais la retrouver. Je fonce. Ah là là, l'équipe de branleurs. Hein. Vous êtes monsieur Weiner des Brutos. Je suis nouvelle et enchantée. Oh là, j'ai une fangirl. Tu peux venir t'amuser à traîner avec moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Va chercher la princesse plus vite que ça! Eh oui, à vos ordres. Et toi, t'as pas honte? Les Brutos nous invitent souvent, c'est assez gênant. Bande de gros pointeurs. Putain, secours! Qu'est-ce que tu fous là, putain? Beroid, on l'avait vu, lui, dans la liste. D'accord. J'ai plus de souffle. Ah. Capitaine Weiner, vous aussi, vous allez là-haut pour garder la forme? Non, non et non, je cherche la princesse. Elle serait pas là-haut, par hasard? Je sais pas, je pensais monter jusqu'en haut, j'ai plus de souffle, j'en peux plus. J'en ai trouvé que 7 sur 8. Vous avez vu les commères Blue chez Coel? Voyons voir. Et encore Loda, qui écrit de si beaux poèmes. Puis Weimar, qui connaît le nom de toutes les filles de la ville. Voyons voir. Et aussi Hagen, qui connaît la ville mieux que personne. Et Melgentime, qui a gagné la course de portée de boulet l'année dernière. D'accord. Bon bah bon courage. Pff.
Et celui qui a faim, j'ai pas réussi à le bouger, quoi. Ouais, j'en peux plus. Je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois chercher la princesse. Nous refont la scène des escaliers des F7. Ah, là-bas. La princesse, elle se fait agresser par un mutant à queue de singe. Poursuivi par un brigand, je viens à votre secours. Beaucoup de cinématiques et un entrée de jeu. Pour Marquerie. C'est un peu Buzz l'éclair, Steiner, je trouve. Niveau de la gueule. Ça marche bien. Bah oui, il y a des refs au premier FF, puisque forcément, comme je le disais, c'est le dernier. C'est le dernier d'Hironobu Sakaguchi. Donc c'est pour ça qu'il est blindé de refs. Et où elle est passée ? Ouch. Qu'est-ce que vous ? Un instant. Dites donc, vous. Vous m'avez bousculé, vous pourriez vous excuser. Veuillez me pardonner, je suis très pressé. Ah mais est-ce que je vais bientôt entrer... C'est que je dois bientôt entrer en scène, moi. Jano, attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Cette fille est une calamité. C'est ça, mais là je dois lui parler. Stop! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh putain, se casse! Qui est cette fille? C'est la meuf qu'on a enlevée, putain! Dernier boss qu'on comprend pas pourquoi il est là, il vient pas d'un autre FF. Je crois que c'est la musique de cette scène qui a été utilisée dans la pub Coca-Cola. Il me semble aussi que. Ça y est, vous êtes calmé? On n'a pas vraiment suivi le plan, mais on l'aura quand même enlevé. Et vous? Vous faites partie de cette troupe? Et voilà, de la deviner. Peut-être le savez-vous, mais... En vérité, je suis... Ton père, Jano. Je suis Grenadier Alexandros, princesse d'Alexandrie. Andros, Andros, c'est Alexandrie. J'ai une requête à vous présenter. Pouillez-vous? Ne pourriez-vous pas m'enlever sans délai? Et Kekewa, c'était pas prévu, ça. Et princesse, êtes-vous? Merde. Je suppose que vous avez vos raisons. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. Merci, je vous en serai reconnaissante. Princesse, à présent, ayez l'obligeance de nous laisser vous enlever. Qu'est-ce que tu fais par ici? Qu'est-ce que tu fais par ici, pardon? N'ayez pas peur, princesse, c'est Sina, un ami. C'est John Sina, un ami. Ah bon. Veuillez pardonner l'effronterie de ma surprise. C'est vrai qu'avec une tête pareille, il ne surprend pas que vous. Quoi? Tu peux parler? Je me lave tous les matins, moi. Princesse, par ici, vite. Allez, suivons-le. En gros, c'est grand-mère chaude de Star Fox.
C'est maintenant que t'arrives, toi. Je dis pardon. Si la princesse passe à son repas du soir, on peut dire que Grenadine. Hé, hey, Sina, c'est une impasse par ici. Hé, tu crois ça? Non, tu crois ça? C'est Isozote, hein, c'est ça. Tu crois ça? Eh ben non. Et hop. Et voilà. C'est moi qui l'ai fait. Allez, tout le monde là-dedans, vite. Tout le monde dans le trou. Bon sang, ils sont passés dans un trou. J'y vais. Merde, je suis trop con. Qu'est-ce que tu fais, Captain? Je peux plus bouger. Mais quel trou de balle. Attends, je vais te bourrer avec un rocher. Il a rien vu. Mais quel trou du cul. C'est que vous êtes agile, princesse. Je pourrais bien tomber amoureux. Putain, mais arrête. Il est insupportable. Tout le long du jeu, il est comme ça. Il est insupportable. Vraiment, ce héros est nul à chier. Il y a très peu de héros de Final Fantasy qui sont supportables, hein, techniquement. Les 4 boss élémentaires sont ceux de FF1. Lesquels boss élémentaires? Je me suis entraîné pour fuir le château jusque-là. Ce n'était pas trop difficile. Vous étiez vraiment pas faite pour être princesse. Nous en reparlerons plus tard. Allons-nous-en. Attendez. Ah merde. Ça va pas. Si cette machine ralentit, l'aérothéâtre va s'écraser. Tourne la manivelle vers la droite. Ah merde. Et si je la retourne vers la droite? Ça va pas. Si cette machine s'emballe, l'aérothéâtre va exploser. Tourne la manette vers la gauche. On va tout casser les couilles. Alors on peut rien faire en fait avec votre dobri là. Ça va pas. Si la manette reste. Si la matine reste. Et maintenant, que faisons-nous? Et maintenant, que faisons-nous? Le spectacle est bientôt fini. Eh ben, je sais pas, on s'encule. Non, je. René. La minute renaît. Résurex. T'as pris ton Résurex ce matin? Résurex 500. 3 fois par jour. Pendant le repas. Et merde. Princesse Nilkrant Weiner est venue vous sauver. N'ayez pas peur, princesse. Parfait, Brutus. Ça, c'est du travail d'équipe. Ah, j'aurais dû lui faire un accent nazi dès le début. Hé. Tout va bien, votre enlèvement se passera sans problème. Quoi? Bunga. Qui es-tu? La princesse est sous notre surveillance responsabilité. Prodicule.
Ah merde, il est déjà mort lui. On s'en balèque. Il sert à rien. Ah, les effets sont beaux. Ah. Oh tiens, je me suis fait avoir. La bonne blague. C'est des puchus, des... je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le roi de Lindblom qui est transformé en ça là. C'est des puchus, c'est ça? Je sais plus. Genre c'est bestial. Vite, c'est le moment, princesse. En allons-nous? C'est aujourd'hui qu'on marie ma fille Cordelia au prince Schneider. Ainsi, le prince deviendra mon vassal et le royaume de Satoun sera à moi. Le prince fera la vassale. Nous avons arrêté ce suspect. Oh mais qui voilà? Ne serait-ce pas Marcu? De level 1? Serais-tu donc toujours amoureux de Cordelia? Eh bien, quand bien même Cordelia serait-elle toujours amoureuse de toi? Elle n'épousera jamais quelqu'un de ton espèce! Quand les cloches ont sonné par trois fois, tu m'auras... Non, non, je te ferai disparaître à jamais. Là, ça fait deux. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Qu'allons-nous faire? C'est ennuyeux. Zano, prends la numéro 2. Compris, princesse, par ici. Ça ne se passera pas comme ça. Et là, la pièce devient réalité. Ou la réalité devient pièce de théâtre. On ne sait plus, on ne sait pas. La frontière est floue. Encore un coup? Bah non, ça faisait trois, là. Princesse? Faites comme si... Tiens, où je suis, là? Cordelia. Comment? C'est Marcu, votre amant. Marcu. C'est ça, impeccable. J'ai toujours aimé le théâtre. Continuez à jouer, la reine Brennette nous regarde. C'était pas très discret ça. Marcu, je désespérais de te revoir. Je ne veux plus te quitter, emmène-moi où bon te semblera. Walir, acceptez leur amour. S'il comprend, j'aime bien le... Les animations des personnages, elles sont, c'est quand même plus expressif que dans les autres. Jamais. Ah, tu ne veux plus le quitter? Jamais, je ne t'y autoriserai. Cordelia, tu n'épouseras pas le prince, tu épouseras le prince Schneider. N'est-ce pas, prince? Qui? Moi et la princesse? Tuez-les tous. Aïe! Ils sont trop forts, fuyons! Cordelia, rentre avec moi au château! Jamais, je ne veux pas! Cordelia, ça suffit, ne me contrarie pas! Si je veux ce mariage, c'est pour toi, comprends-le! Je ne te laisserai pas faire, Lyre! Revoilà le temps des impôts! En mémoire de mes parents et pour Cordelia. Tiens, cette expression, revoilà le temps des impôts, quoi. Tu vas goûter à ma lame. Ursaf. Oh merde, non! Ah! Pourquoi? Marcu, pardonne-moi, mais cet homme est toujours mon père. Cordelia, c'est l'autre, il est à fond, jeune. Père, pardonnez-moi mon égoïsme et pardonnez à Marcu. C'est impossible, je n'entendrai donc plus la voix de Cordelia. Je ne caresserai plus sa peau si douce. Ma vie n'a plus aucun sens. Je vais me raquiri. Marcu! Quel drame.
Ouais. C'est si beau. Ouais. J'en pleurerai. Le fait, où est Grena? Ouais, snirf snirf, ouais. C'est vraiment bien. Et c'est vrai qu'on a oublié Bibi, hein. Oui. Maintenant, il faut encore rentrer par les toits. Ah zut, on s'en va. Merde. Voilà, arrêtez-vous. Imbécile, dépêche-toi. Pardonne à ton père. Princesse. Pardon. Stop. Garde-toi. C'est le bordel sur scène, quoi. C'est n'importe quoi. Venez pas. Ah, il fout le feu au bonnet. Jano, c'est l'heure. Les tantalettes retirent, vite. Princesse, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Rainer, c'est suffit. Lâche-moi. Capitaine, qu'ils ont fait. C'est impossible, je ne peux pas. C'est que vous pouvez être obstiné parfois. Laissez tomber, on s'en va. Allez, go. Princesse. Ça va, t'as rien, toi? Ça va, je suis juste un peu assommé. Arrêtez la princesse. Faut bien qu'il n'est pas en 3D temps réel. Ah bah non. Faut pas trop demander non plus. Mais pour l'époque, c'est déjà incroyable. Ah, c'est clair que la jauge à la TB... Merde, on fait des illusions aussi, mais non. Ma passion aussi des limites. La magie blanche, elle a soin. Oui, et aussi l'autre différence qu'il y a avec les deux derniers qu'on avait connus avant, donc ce qui était nos références à l'époque, c'est que ah et puis si on stocke ça booste la magie, c'est ça, c'est que tout ça pour ça, c'est que les personnages n'avaient pas de classe prédéfinie, c'est à dire qu'on pouvait les faire tantôt invoqueur, mage, guerrier, voleur, tout ça. Enfin, on pouvait mixer toutes les classes en un seul personnage, quoi, il n'y avait pas de problème. Alors que non, celui-là, c'est retour justement aux personnages avec des classes. Il y a le mage noir, le mage blanc, invoqueur, tank, voleur, tout ça, quoi. Paris au décollage. Bien. C'est le retour des classes dans celui-là, voilà, tout à fait. De notre côté aussi, très bien. Et ça va redisparaître dans le 10. Apparemment Tetsuya Nomura n'aime pas les classes. Je sais pas. Il me semble qu'il y a pas de... enfin, que les classes sont pas définies dans le 10 non plus. Et pareil, il me semble pas que dans le 12. Je me souviens plus bien. Je me souviens plus des masses du 12. Ah bah les tantalas, ils reviendront plus. Hein. Thank you.
Ah oui, mais si, si, parce qu'il y a Yuna et l'invocatrice. Et ouais, Riku, la Volusia, il y a quand même des classes définies pour les personnages, ouais, effectivement. Puis, puis à la fin, avec les armes ultimes, effectivement, on est obligé de les jouer comme ça, il me semble. En plus, c'est du spectacle public, on a pour son argent. Et rebaston. Nous n'avons pas glacié ça. Ah oui, de toute façon, c'est fait exprès pour qu'il explose, lui. Pantagruel. Pareil, hein, c'est des combats scénarios. Regarde derrière toi, oui, on essaie de lui dire de se retourner. Ça ne marchera pas avec moi. Rainer, regardez derrière vous. Coup de canne. Eh mais c'est une idée ça. Est-ce qu'on peut pas le... On peut pas, ouais. Pas frapper le Pantagruel. La succube! Ça ne marche pas avec moi! Allez! La succube va exploser! Merde. Ah! Ah, c'est chiant! C'est mon gitane. Ce qui signe la fin du premier acte. Avec le thème de la saga. Légèrement, quelques notes.